Scusate, che c'è? Non sono che una disgraziata, ma ho l'animo elevato io. Sa Dio quante sublimi eroine ho logorato in palcoscenico. Ma quando ho letto la mia parte, scritta così da te, in quella specie di commedia, è proprio così il nostro misero destino, pietoso e impietoso. Come devi essere unico e incompreso tu, e non matto, come dice la gente. E questo non è niente, ti leggerò tutto. Andremo a vivere a Parigi. Io ti amo, ti amo, ti amo. Vestiti, vestiti, tu sei un angelo in scena, un mostro sacro, faremo colpo. Vestiti, me ne fotto del mio trono, i morti son morti. Vedremo il mondo, Parigi, vita mia, a noi due. Regardez bien le visage de cet homme-là. Cet homme est pour certains fou, pour d'autres un génie. Il a signé Notre-Dame des Turcs, il a signé une Salomé assez délirante, il a signé un Don Juan, et il a signé Hamlet, ou du moins en français un Hamlet de moins. Son nom est Carmelo Bene, et je crois, Carmelo Bene, qu'on peut dire d'une part que Shakespeare, pour vous, ne connaît pas. Le Hamlet de Carmelo Bene n'a que des liens très éloignés avec celui de Shakespeare. Je crois que non. J'ai tourné à Hamlet, je l'ai joué au théâtre avant. Et il y a 15 ans que j'ai étudié Hamlet. Et Hamlet, c'est l'Hamlet de Shakespeare, je crois. Avec l'aide d'un poète français très mal connu surtout en Italie, mais en France aussi, c'est Jules Laforgue, qui a écrit un essai qui est superbe, c'est Hamlet ou les suites de la piété filiale. Donc, il s'agit d'un essai. On a parlé et j'ai lu dans la critique, ou par la critique, j'ai appris que italien et français, on a parlé des films au festival. Et cette année. Et on a dit qu'on avait vu des films d'artifice. Qu'on a eu des films de Proustien, qu'on a eu des films réalistes. Hamlet, c'est un film sur l'absence. L'absence complète, complète, toute absence. Il y a quelque chose qui frappe à la porte qui n'existe pas, et c'est la porte du blanc. Parce que quand les bêtes, et je dis bêtes critiques italiens, parce qu'ils sont dans la bêtise totale, complète, ils écrivent, bon, la couleur c'est bien. C'est pas la couleur, parce que la couleur d'Hamlet, c'est dans les gros plans, dans les premiers plans, au fond vous trouvez toujours les blancs. Et les blancs, ça veut dire rien. Il veut dire que la passion qu'on n'a pas, on n'a plus de passion, qu'on n'a plus de vie, que tout a été déjà dit, et des trucs comme ça que moi je répète, mais je suis vraiment emmerdé et je ne vais plus de répéter ça. Cela dit, votre Hamlet quand même, Carmelo Bene, est un Hamlet, au départ de ce film, bon, c'est l'histoire d'un monsieur qui a assassiné un autre monsieur en lui versant du poison dans l'oreille, pour épouser sa femme, et le fils de la femme, c'est Hamlet. Donc là, on retrouve Shakespeare. Mais tout d'un coup, votre Hamlet dit, moi, j'en ai vraiment pas du tout envie de jouer ce rôle, je veux être comédien, je veux être à Paris. Et donc on mélange à la fois les costumes de la cour et les costumes du théâtre. Oui, mais sans compris. Vous restez toujours dans le monde du théâtre. Il y a quelqu'un qui a compris, et ça me déplaît, ça me plaît en même temps, et j'aime ça, et seulement quelqu'un, ben, les critiques français ont compris, il y a quelque chose qui est très français en Hamlet. Et c'est pas un Hamlet spaghetti, c'est un Hamlet qui est
français, si vous voulez. Ça, c'est une réponse précise. Bon, mais ils n'ont pas compris les costumes, ils sont inutiles complètement. On a dépensé de l'argent, beaucoup, pour réaliser des costumes qui sont brillants. C'est les décors. Les décors, c'est les blancs. Les blancs contre les noirs. Les noirs contre les blancs. Ça est très important. C'est l'absence. C'est la débâcle. La débâcle de l'écriture dramaturgique par la peinture. On commence par Klee, le peintre. Je parle des peintres, Klee. Bon, c'est qu'on commence par Klee pour détruire tout. Ça, c'est autre chose. Ils n'ont pas compris même la façon de jouer, la manière de jouer, la forme de jouer des comédiens. Ils ont trouvé abstrait ou trop théâtral et trop vicieux, trop joué. Non, ils sont vraiment bêtes. Parce que monsieur là, qui est Vincenti, il m'a fait travailler beaucoup. Je lui dis qu'il est présent. Il m'écoute, bon, mais je travaille très volontiers. Mais il a fatigué 2 ou 3 années pour réaliser le rôle du roi Claudius dans l'Hamlet qu'ils n'ont pas compris. Mais parce que. Sa manière de jouer, c'est abstrait, complètement abstrait. J'ai une chose encore à dire. J'aime et j'ai de l'honte en même temps de représenter l'Italie cette année, mais pas à cause de l'Italie, à cause seulement des bêtes qui sont dans un conseil, qui est un conseil d'État italien, et qui s'appelle Giuseppe Rossini, pas Gioacchino, pas les musiciens. Giuseppe Rossini, c'est un historique, svetonio, c'est-à-dire, bon, et pas Tacito. Non, et Giancarlo Vigorelli, qui est un manager littéraire d'Italie, qui sont des gens d'administration qui ont refusé la distribution d'État à un film comme Hamlet, parce qu'il dit, et voilà les jours d'aujourd'hui où Giancarlo Vigorelli confirme sa décision, n'a rien d'artistique, au contraire, et rien d'art, rien du tout. C'est ça. Mais maintenant que le film est passé au Festival de Cannes, je crois qu'en Italie, le film est passé au Festival de Cannes, j'ai vu la critique française qui est bien, bon, et j'attendrai seulement la débâcle de ces messieurs-là, qui sont nuls, c'est les néants, ils sont l'absence d'État, les vedettes et l'absence d'État. Anne Wiesenski, vous êtes restée vraiment toute muette en regardant Carmelo Bene, la raison de temps nous oblige. Nous fait plaisir à vous inviter demain, si vous voulez bien, parce qu'il faudrait, pour des raisons d'horaire, que nous passions tout de suite au plateau de André Halimi et M. de Turenne. Ah oui, parce que moi je ne veux pas que vous serviez de moi pour couper Carmelo Bene dans ce qu'il est en train de dire, qui est très important.